Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment créer donc ceci. C'est un effet de texte qui glisse de haut en bas et ensuite qui part de gauche et qui repart à droite. Voilà, c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Bien, allez, on va commencer le tutoriel. Je vais aller sur modèle. Je vais utiliser un fond vert. Je vais aller sur effet et sur édition de titre et je vais marquer comme ceci en augmentant la taille. Voilà, je vais juste voir si l'objet est bien centré. Voilà. Ensuite, je vais aller sur modèle, je vais utiliser le noir pour commencer à créer les masques tout autour du texte. Alors ici, on va repartir sur effet, position taille. Je vais décocher proportion et je vais mettre ici en pourcentage et je vais mettre ici 50. Voilà. Donc, je vais utiliser les poignées pour pouvoir me mettre au-dessus du texte. Voilà, et maintenant je vais utiliser donc la piste 3 comme effet de miroir pour la piste 4. Donc du coup je vais aller sur copier-coller déjà. Voilà, et ensuite je vais faire donc l'effet de miroir avec rotation reflet. Voilà, rotation reflet. Et ici, vous avez donc miroir. Je fais un copier ici, je fais un coller. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais refaire les masques en dessous. Donc copier, coller. Voilà. Lui, par contre, ce que je vais faire, je vais simplement lui dire, eh bien écoute, je vais aller sur la gauche. Donc je fais une rotation sur la gauche. Position taille, je vais centrer. Je vais le mettre à gauche à 0. Voilà. Par contre, pareil, je vais redimensionner par les poignées pour faire apparaître correctement le texte. Voilà. Et pareil, je fais un copier-coller comme ceci. Et là, pareil, on va faire un effet de miroir. Donc ici, je vais couper. Voilà. Donc ici, on va aller tout simplement faire monter le texte. Je vais faire monter le texte. Donc je vais mettre à 240. Voilà. Donc là, ici, hop, je fais une première clé. Je vais faire 15 secondes. 15 images, pardon. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et à partir de là, je vais faire centrer. Ici, je compte 10 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je refais une autre clé. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et à partir de là, je vais faire donc descendre. Donc, je fais moins 250. Pardon. Non, on était à 200. On était à centrer là. Centrer, voilà. Donc là, on va faire à 600. Voilà. 650. Voilà, donc là on est bon. Donc ici, je vais tout simplement hop, mettre un bézier. Et on va faire lecture. Voilà, le texte apparaît. Donc maintenant, on va faire tout simplement fichier, exporter le film MP4. Voilà, et à partir de là, on va le mettre en P4 Full HD 25 images par seconde. Voilà, et là, vous avez le résultat. On va mettre comme ceci. Dans effet, donc importation. Voilà.
et ici. Donc là, on va juste utiliser donc la chrominance pour faire l'incrustation. Donc effet vidéo chrominance, on enlève le noir, bien sûr en sélectionnant la piste. Et voilà, voici le résultat final. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.